Messieurs, chers collègues, bienvenue à tous pour ce colloque sur les élections municipales de 1977. D'abord, je tenais à vous remercier tous pour votre présence à La Roche-sur-Yon pour ce colloque qui démontre une nouvelle fois la volonté que nous avons au CRHIA, à l'Université de Nantes, de délocaliser quand on peut nos activités et d'aller quand le sujet s'y prête sur les territoires, j'allais dire, où l'Université de Nantes est présente. Alors, vous le savez, il y a une antenne à La Roche-sur-Yon. Nous y sommes aujourd'hui. Il y en a une également à Saint-Nazaire. On avait fait des colloques à Châteaubriant. On en a fait un à Saint-Nazaire. Christian Bougeard s'en souvient l'année dernière sur les poches de l'Atlantique, où il y a 2 ans même maintenant, bientôt. Nous y retournons en fin d'année. Et donc, nous avons ici l'occasion de venir à La Roche-sur-Yon. D'abord parce que l'initiative de ce colloque est venue par Mathieu Boidron, des amis de Jacques Auxiette notamment, et donc directement du territoire vendéen. Et puis également parce que je pense qu'il est toujours intéressant de déconcentrer nos activités dans les sites universitaires détachés de l'Université de Nantes. Alors comme vous le savez tous, j'imagine, à l'Université de Nantes et au Centre de recherche en histoire internationale et atlantique, nous sommes un laboratoire, comme son nom l'indique, spécialisé sur autre chose que sur l'histoire politique française. Hein. Notre spécialisation première, c'est les relations internationales, c'est le monde atlantique. Alors vous allez me dire, on est quand même un peu en Bretagne et dans l'ouest de la France et en Vendée dans le monde atlantique. Hein. Le monde atlantique comprend sa rive européenne. Mais nous avons toujours eu le souci au CRHIA de continuer à faire, quand c'était nécessaire, d'autres formes d'histoire, et notamment à la volonté de traiter également des sujets qui se rapportent directement à l'histoire régionale et à l'histoire de l'Ouest. On l'a fait à d'autres occasions, je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, il y a 2 ans, pour le colloque sur les poches de l'Atlantique, et on essaye de le faire au maximum, et donc, dans ces occasions-là, de s'associer avec d'autres laboratoires, avec d'autres collègues hein, qui, eux, travaillent sur l'histoire politique directement et qui sont là dans la salle. Et je les en remercie déjà. Alors, volonté, bien entendu, ici, de parler de cette histoire et de faire un véritable colloque d'histoire sur ces élections municipales des 13 et 20 mars 1977. Alors, certes, là aussi, c'est l'occasion qui s'y prête. Ça fait très exactement 40 ans. Hein, et élections municipales qui sont, je pense, très intéressante à étudier, puisque certes c'est un scrutin local, hein, mais derrière ce scrutin local, il y avait un véritable enjeu national. Hein, et donc l'intérêt ici, c'était finalement d'étudier ce qui faisait un peu l'intérêt hein, de ces élections, c'est-à-dire la victoire des candidats des partis de l'Union de la Gauche qui se sont imposés à cette occasion hein, dans 55 communes françaises de plus de 30 000 habitants, et donc marquant un événement politique important et marquant aussi l'évolution de l'histoire politique et de la politique française dans les années 70. Et j'allais dire au niveau régional, bien entendu, l'intérêt hein, qui est celui de voir basculer dans le Grand Ouest des villes de première importance comme Nantes, Rennes, Le Mans, La Roche-sur-Yon, Saint-Malo, hein, qui, certaines dès le premier tour, d'autres au deuxième tour, deviennent basculent à gauche, alors que traditionnellement, hein, notre territoire était considéré comme un territoire plutôt de droite ou conservateur ou centre-droit, mais en tous les cas, plutôt traditionnellement ancré à l'inverse et dans l'autre partie hein, de notre vie politique, en tous les cas, vers la droite. Alors, donc, il nous est apparu, hein, bien entendu, que c'était l'occasion de faire un colloque d'histoire, je tiens à le souligner ici, parce qu'on a entendu, hein, je le disais tout à l'heure à quelques collègues, des bruits hein, de couloirs nous accusant de vouloir faire à La Roche-sur-Yon une manifestation politique de gauche. Hein. Donc, il a fallu rassurer en disant non, on fait de l'histoire. Hein, on fait de l'histoire, et quand on fait de l'histoire contemporaine, voire très contemporaine, eh bien, oui, on appelle des témoins, on demande à des personnes qui ont vécu de venir débattre avec nous. D'abord, on fait ça entre historiens sérieux. Hein. Donc d'abord, j'ai dit, vous voyez, on a des collègues sérieux, on fait pas ça, c'est pas de la rigolade. Et puis en plus, j'ai dit, bah oui, donc on va faire un rendez-vous. Hein. Vous verrez ce soir, on va essayer de communiquer, ou en tous les cas, essayer de comparer la vision des historiens avec le témoignage des acteurs. Alors, il a fallu rassurer, bien entendu, puis ça montre aussi quand même que
L'histoire peut toujours avoir des enjeux mémoriels ou politiques importants, évidemment, dans ces territoires et en Vendée. Alors, je voulais remercier plus particulièrement, avant de laisser la parole à Mathieu, pour aller plus avant dans l'explication de notre problématique. Je voulais remercier tous les collègues donc, qui sont venus, tous les collègues aussi qui ont participé au comité scientifique qui a permis d'organiser ce colloque, hein, et notamment ceux qui ont accepté d'y participer, Gilles Richard, Christian Boujard, et puis d'autres qui sont dans la salle ici, ceux qui viennent de loin également pour nous voir, parce que certains viennent de loin, je pense à Bernard Lachaise, mais à d'autres, et puis également... bien entendu, vous rappelez qu'au-delà du colloque historique, nous aurons également ce soir donc cette soirée INA Histoire qui permettra de revoir les images hein, détenues par l'INA de ces élections de 1977, puis également des images d'autres scrutins des années 80, 90 et jusqu'à nos jours, nous permettront d'essayer de comprendre hein, finalement, j'allais dire, l'enracinement politique progressif de la gauche sur ces territoires de l'Ouest. Et grâce à la présence de Jacques Auxiette, d'Edmond Hervé, donc de nos grands témoins de la soirée, de Gilles Richard qui jouera le rôle de l'historien, hein, spécialiste, et puis de Thierry Guidet hein, qui animera et qui a accepté, je l'en remercie, hein, d'animer cette soirée et ces rendez-vous INA Histoire. C'est en fait c'est un partenariat qu'on a entre le CRHI. On en fait 4 ou 5 dans l'année. Hein. Ça marche très bien d'ailleurs en général parce que les gens sont très intéressés. On sélectionne des archives de l'INA et puis on les commente, on discute avec la salle et en général c'est toujours très instructif et très intéressant. Et là en plus on a des grands témoins donc ce sera encore plus. Je pense que Jacques Auxiette arrivera ce soir et Edmond Hervé peut-être un peu plus tôt dans la matinée. Et puis j'espère peut-être qu'ils pourront intervenir également, tant qu'Edmond Hervé pourra intervenir pour commenter nos affaires. Alors, je remercie tout de même, bien entendu, et j'insiste, l'Université de Nantes et le pôle universitaire de la Courtaisière et l'UIT, son directeur, M. Lamarre, pour leur accueil. Je remercie également tous les partenaires du CRHA qui sont rassemblés pour mettre en place ce colloque. CRAP Arène, hein, où maintenant ça s'appelle Arène. Mais c'est le CRAP de Rennes 1, mais qui s'appelle Arène, donc il a bien porté son nom. Hein, c'est réfléchi. L'ITEM, le centre de recherche de Pau, hein, et de notre collègue Laurent Jalabert, s'excuse qu'il ne pouvait pas être là à notre colloque. Et puis les partenaires qui nous ont aidés à financer le colloque, l'Institut François Mitterrand, la Fondation Jean Jaurès, dont je salue hein, son représentant ici présent, je ne le vois plus, voilà. Je vous remercie de votre venue, Monsieur Mérel. Hein. Et puis l'association Métron Bretagne, et puis les amis de Jacques Auxiette, enfin tous ceux qui nous ont aidés. Et bien, je passe la parole tout de suite à Mathieu Boidron, qui va vous présenter peut-être plus avant le colloque, et puis ensuite on passera véritablement à nos débats. Merci Michel pour ces éléments de contexte nécessaires. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Je vais essayer de faire rapidement, parce qu'on est déjà un petit peu en retard, donc on va essayer d'avancer au mieux. Donc ce qu'on peut d'abord dire dans un premier temps, c'est qu'on peut postuler que l'histoire politique, économique, sociale de la France des années 70, elle est entrée de plein pied dans le champ de l'histoire, désormais. Elle constitue donc un objet historiographique tout à fait légitime. En ce sens, on peut considérer le moment politique constitué par ces élections municipales de 1977 comme un véritable événement historique. Parce qu'il sollicite l'horizon d'attente des contemporains, parce qu'il produit du sens, et aussi parce qu'il produit une mémoire. Alors certes, oui, en histoire, on est toujours assez vigilant à la notion de transition, mais l'événement, selon cette définition néanmoins, eh bien, il fait indéniablement charnière, il s'intercale en fait entre un avant et un après qui en procède. Il n'est d'ailleurs pas forcément toujours perçu, cet événement, comme tel, dans la temporalité qui est celle des acteurs, des contemporains, et c'est à l'historien qu'il revient finalement de réaliser ce travail, de déconstruire et d'historiciser. Donc c'est notre objectif pendant ces deux journées de colloque, aujourd'hui et demain, parce que dans le cas qui nous occupe, le basculement politique des grandes villes de France, qu'a expliqué rapidement Michel Cotta à l'instant, au mois de mars 1977, eh bien ce basculement il s'inscrit dans une dynamique événementielle un peu plus large, qui avait été annoncée l'année précédente par les élections cantonales du mois de mars 1976. Contribuant effectivement à cette nouvelle donne politique, on considère généralement que c'est bel et bien le scrutin municipal de 1977 qui ouvre le champ des possibles et qui finalement annonce, prépare la victoire de François Mitterrand
à l'élection présidentielle de 1980. Davantage sans doute, d'ailleurs, que les élections législatives de mars 1978, qui voient certes la gauche progresser sensiblement dans les urnes, mais une gauche qui est de nouveau désunie après la rupture de septembre 1977. Alors, de surcroît, les élections municipales de 1977, elles traduisent sur le plan politique les importantes mutations qui sont à l'œuvre en France, tant sur le plan économique que démographique, social ou encore culturel dans ces années. La fin des Trente Glorieuses, le ralentissement encore relatif qui en découle, les premiers pas de la mondialisation de l'économie, la libéralisation des échanges, la conversion de l'appareil productif français à ce nouveau paysage économique, l'approfondissement de la construction européenne, la progression de l'urbanisation, la libéralisation des mœurs également, tous ces éléments, toutes ces évolutions, en fait, font entrer le pays dans une forme de modernité, dans une nouvelle forme de modernité, qui affecte les territoires et qui, en conséquence, chamboule les équilibres hérités. Ensuite, les élections locales, elles sont traditionnellement peu ou pas étudiées, à une plus petite échelle que la seule commune. Elles demeurent donc, ces élections municipales, dans leur ensemble, singulièrement méconnues. Les travaux universitaires qui ont pu leur être consacrés à ces élections municipales concernent en effet presque exclusivement des études de cas. Alors, l'étude de ces élections, elle est difficile. Elle est difficile parce que les scrutins sont nombreux, parce que les candidats le sont aussi. Et puis également, le résultat des urnes est certes le fruit de considérations nationales, c'est le cas en 1977, mais il est aussi celui de considérations locales qui sont parfois difficiles à déterminer. Notre objectif doit donc être d'affiner l'explication du succès de l'Union de la gauche en mars 1977 en modifiant l'échelle d'analyse de ce phénomène qui trouve son origine dans un tissu local souvent spécifique avec des dynamiques de territoire, qui sont parfois généralement différenciées. Parce que le bilan, qui est celui de 1977, ne doit pas faire oublier les résultats qui ont pu parfois être plus contrastés dans le réseau des petites ou moyennes villes. Nous avons le souci d'envisager l'étude des élections municipales selon une perspective que l'on qualifie souvent en histoire de « totale », entre guillemets. Nous avons donc cherché à faire autant que se peut entrer cette histoire, qui demeure essentiellement politique, en résonance avec les nouveaux objets, les nouveaux paradigmes qui accompagnent le développement de la science historique depuis plus d'un demi-siècle désormais, que ce soit à travers la prise en compte du temps long, des mentalités, des représentations, ou encore des questions sociales, culturelles, etc., etc. Pour cette raison, on a défini ensemble, dans le cadre du comité scientifique, quatre séquences pour articuler ces deux journées. La première séance sera présidée par M. Christian Boujard. Elle sera consacrée au contexte et à leur diversité, et notamment aux questions de société. La deuxième séance, elle sera présidée par Michel Catala, et elle sera vouée à l'étude des forces en présence, avec évidemment un regard plus appuyé sur les forces issues de la gauche. La troisième séance qui sera présidée par Rémi Lefebvre, donc demain matin, Rémi Lefebvre qui nous rejoindra cet après-midi, envisagera les résultats à l'échelle supracommunale, afin d'élargir autant que possible la perspective et prendre un peu de champ. Enfin, la quatrième et dernière séance sera présidée par M. Lachaise, et elle sera plus traditionnellement dédiée aux études de cas, à travers la situation de quelques villes du Grand Ouest. Pour terminer rapidement, on tenait évidemment à excuser les absences de M. Vincent Porel, de M. Jean Vigreux et de M. Laurent Jalabert, qui n'ont pas pu être présents pour des raisons indépendantes de leur volonté, mais ils nous ont confié leur communication et nous nous chargerons de les présenter devant vous. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Et puis je vais pour terminer en deux mots, parce qu'il est 10h30, donc il va falloir qu'on commence la première séance. Pour terminer en deux mots, je voulais remercier bien entendu l'équipe du CRHIA qui nous a accompagnés et qui est présente aujourd'hui. Thomas Burel qui est là, puis Aurélie Cloarec qui nous ont accompagnés, qui nous aident à organiser le colloque. Et puis je voudrais également remercier Mathieu Boidron, notre jeune collègue ici présent, qui est un jeune doctorant et qui est chargé de cours à l'Université de Nantes et qui nous a accompagnés pour mettre en place ce colloque, qui en est la cheville ouvrière, et on n'aurait rien pu faire sans lui. Donc merci beaucoup Mathieu et bravo pour cette organisation. On vous remerciera complètement à la fin, demain. Il faut quand même maintenir une petite pression, parce qu'autrement, mais qui lui-même est vendéen et qui donc a,
a très bien organisé tout ça et nous a permis de monter le projet et qui en a été à l'initiative au départ. Et je crois qu'il est important, enfin c'est aussi notre rôle à nous universitaires d'accompagner nos jeunes pour qu'ils puissent organiser et puis mettre en place ce type de manifestation.